Élection pour débuter ce journal, toujours pas de calendrier définitif, ni non plus d'arrêté convoquant le peuple en ses comices. Toutefois, CEP et exécutif poursuivent cette semaine encore les réunions de travail en vue, explique le porte-parole du CEP, d'harmoniser les rapports pour assurer le bon déroulement du processus. Pour le leader du RDNP, Leslie François Maniga, ces discussions s'inscrivent dans le cadre de ce qu'il appelle une stratégie délibérée de l'exécutif. Le professeur Maniga dit ne pas vouloir faire de procès d'intention au CEP. Il estime toutefois que le Conseil électoral provisoire n'a toujours pas jusqu'ici assumé les responsabilités de ses attributions. Un extrait de l'interview accordée par M. Maniga à Rodrigue Lalanne. Intention, parce que je ne vais pas accuser personne de mauvaises intentions. Même quand ça que vous faites, c'est que je ne peux jamais, jusqu'à présent, pour avoir la preuve que CEPA prend responsabilité dans l'attribution que le gagne. Parce que, premièrement, lors où fait deux systèmes, vous faites partie d'une choisir, mais pensez pas que vous choisissez entre deux systèmes. Loi claire, bon loi qui choisit, bon loi qui fait, il fait mal. Parce que le public qui fait mal déjà, choix chez le PA qui fait mal, loi a fait mal. Mais loi, dit pas loi d'ailleurs, bon, c'est bien sûr. Mais lorsque que tout le bâtiment qui fait mal, il y a peut-être un pour qui décision après soit pas assumer responsabilité. Ou il n'y a pas assumé responsabilité. Et il arrive dans une situation que c'est le président Kounia qui a décidé des questions électorales. En constitution, on a créé conseil électoral, là, précisément, pour ce n'est pas gouvernement ni président qui décide des questions électorales. Pour retirer les questions, ça, non, pouvoir exécutif, là, pour un organisme autonome et indépendant pour préparer tout le bagage. Or, dans quelle situation, c'est le président qui vous décide. Chaque fois qu'on étape, c'est le président. Et qui vous dit que c'est le président qui vous décide? C'est le CEPA. Attention, c'est lui-même qui demande. On l'a demandé le ballot, là, on juin. Pour dire beaucoup ça, que ça dit, je ne suis même pas d'accord, je ne pas réfléchir, je ne pas mon commission. L'aide d'une fois, je ne vais pas passer la bêtise. C'est évident. Forme une commission pour étudier si au calendrier vous proposez. C'est comme ça, commission dans tout le gouvernement. C'est enterré au bagaille. Et c'est enterré. Donc, déjà, à faire commission, mais c'est pas venu gêné. Pourquoi ça, c'est pas gêné? Ah, faut que réfléchir. Pas d'ouvrir pour moi, pas dans un, on réfléchit. Pour qui ça, c'est pas gêné? Pour que ça le dise non, point commission. Parce que le gars n'y compte qu'une affaire commission, responsabilité de travail, engagé. C'est lui-même qui mettait nous dans ça. Alors lui, il dit pas de commission. Oh, c'est le pouvoir qui te dit que commission. Le coupé y attendait. De côté, pouvoir dit gros commission qui avait étudié. Et c'est le dit pas de commission. Côté, vous êtes travail commission ça. Le leader du RDNP plaide par ailleurs en faveur de la constitution d'une vaste plateforme unitaire pour faire barrage à toute menace de dictature d'où qu'elle vienne. Il situe dans cette optique les tentatives de rapprochement engagées entre son parti et celui du professeur Gérard-Pierre Charles de l'OPL. Leslie François Maniga, toujours au micro de Rodi Lalanne. En principe, un large accord qui fait entre nous, nous connaissons ce qui base. De capable de faire rapprochement. Mais il m'a discussion. Je connais ce monde sérieux, mais. Est-ce que j'ai moyen d'NPT de dire rien? Ah, écoutez, nous allons vers un rapprochement, mais l'aile fait n'a dit, mais ce qui va le fait. Mais c'est sûr que, un, il n'est pas dirigé contre personne de ceux qui d'accord contre toute menace à la dictature. Au contraire. Et deuxièmement, esprit libre n'a publié, n'a montré. Que, au contraire, nous offrit une structure d'accueil pour le véritable mouvement unitaire. Que le fait avant l'élection parlementaire, que le fait après l'élection parlementaire pour la présidentielle. C'est ça que fait le sénateur Chérité de Marie qui me prouve très bien, me dit que le contraire du latin honnête, il dit à quoi nous faisons, nous pouvons balle aux limites, mais le bon esprit. Il est capable de réaliser avant les élections parlementaires. Nous avons fait un accord électoral pour les élections parlementaires et municipales. Mais après aussi, au-delà du cap quotidien, et c'est ça qui est intéressant, le cap quotidien, là pour aboutir, puisque dans la première phase, jusqu'à présent, pourquoi aboutir à lui, pour aboutir avant les présidentielles, à la plateforme unitaire du Front solidaire démocratique. C'est ça l'objectif de l'ADNP, c'est sa stratégie ADNP. Donc comprenez bien, je dis deux choses qui pour nous capitales. Premièrement, pour nous, le fait que le groupement est au fait. C'est une bonne chose à une condition. C'est que l'indiquer aux directions côté nous aller et n'a abouti à une plateforme unitaire. Si ce n'est pas ça, il n'est pas bon.
parce que nous parlons durci des intérêts de groupe l'une contre l'autre, ce qui serait néfaste pour la cause de la démocratie. Et deuxième bagaille, m'a dit là, c'est que entente qui pral fait entre DNP et OPL là, sont ententes qui pral entrer dans la dynamique de la marche vers l'unité au-delà des groupes qui existaient. Nous ne pouvons pas le former l'autre groupe. Puis on dit, même groupe DNP et OPL, même groupe MBCN, non, c'est pas dans cet esprit. Nous pral créer, comme on dit déjà, et c'est très ambitieux, mais on ambitieux pour pays. Ça n'a pas fait politique dans l'État pays, il faut que nous puissions vous dire. Nous allons informer avec l'union axe qui permette que la dynamique unitaire la réalise de manière solide. Coopération, le nouvel ambassadeur. Auditeurs RFI Haïti et téléspectateurs, bonsoir. De temps en temps, nous font chita causer pour nous parler de l'activité société. Par exemple, depuis quelques temps, son seul parole qui a parlé de gauche à droite dans quatre coins cardinaux pays, c'est politique, c'est élection, c'est carte électorale, c'est conseil électoral, c'est parti politique, c'est chita rencontre entre le CEP et les partis politiques. Eh bien, je vous dis, nous pouvons blâmer un causement qui fait entre Rodrigue Lalanne, journaliste Télé Haïti, avec professeur Leslie Maninga. Professeur Leslie Maninga, nous pas besoin de présenter au lit, c'est leader en parti politique, en parlant de RDNP, qui chita cause avec Rodrigue Lalanne sur rencontre entre le CEP et l'exécutif autour de calendrier électoral. Parler de rencontre si là, il y a une opinion, il y a une lecture, tu parles de problèmes, de situation. Et l'enchite à causer, Rodrigue Lalanne fait avec M. Maninga, il est tout abordé une coalition qui a été faite entre RDNP avec OPL. Il a fait une fusion, il a fait un mariage, il a collé tête ensemble pour faire un seul pour partir aux élections. C'est tout ça que nous avons porté pour aujourd'hui, jeudi à l'enchite à causer, nous l'écho. Nous invitons ou prêter l'oreille. Président dit que Parlement caduque. Depuis janvier, début année, 99. Thèse caducité, il fait le passé, qu'on remène ou pas, et il devient une réalité, puisqu'il suspend, fait le Parlement fonctionner. Mais déjà, nous te fait remarquer que si le président a gagné en tête que le Parlement a pris le caduc en début janvier, année ça, il doit organiser l'élection avant, pour le caducité arriver, ou bien député qui pour remplacer eux, qui pour prêter serment et au Parlement fonctionner. Donc déjà là, mon premier bagage. Qui faut faire analyser la situation avec intelligence. Faut pas écouter ça au bas où et vous dire ou répéter en zin. Faut analyser, faut prendre là avec intelligence. Déjà, son première preuve que M. Desbesoins mettait nous dans le boum. Parce que, étant donné que lui-même dit qu'on est, d'après l'interprétation, parle. Que le Parlement n'a pas le caduc, il était doué organiser l'élection avant, et il était doué faire avant pour nous parler dans la situation où il y a, qui nous révèle clairement s'allier aux situations de dictature. Bon, c'est le premier élément. Maintenant, voilà que l'élection de fête l'année dernière, qui situation où il y a, année après le fini, nous sommes déjà à la fin de septembre. Je dis, on ne pas causer 22 septembre. Alors, écoutez, ça signifie que nous sommes en retard pour l'élection. Qui était de fait l'année dernière pour voir le mois 30 janvier, on voit la cougnée. Fin troisième semaine septembre, nous beaucoup connaissons c'est l'élection qui va faire l'année ça. Et probablement, d'après toute logique, dans la situation où il y a cougnée, dans l'état ben, là, avancé, dans une élection qui va le faire d'ici la fin d'année. Donc, ou comprenons tout de suite que si c'est un retard vraiment, parce que ça, oui, faut réfléchir, c'était vraiment un simple retard de bonne foi. Ou pas en retard en décembre l'année dernière, pour en retard en septembre l'année ça. C'est pas possible. Ou t'as été comblé retard. Donc, goyon tactique délibérée. Et c'est ça, pour nous bien comprendre. Ça a fait là, depuis janvier, y compris à corps 6 mars, là, l'entrée dans la stratégie ça, c'est printemps. Ou pas du fait que ce doux, le tourneur sauté, avant l'aller, dans le voyage rapide de Washington, depuis le tourneur, il dit printemps, en printemps. Alors c'est ça qui est grave dans le pays d'Haïti. Je vais venir, M. Sénat, qui vous est,
li pren prétexte que faut bagay fait sérieux pour le dire en automne. En nous prend temps nous pour faire la sérieux, mais nous n'avons pas de temps pour faire déjà sérieux. Paquet, il finit passer. Et courrier, c'est parce que nous tenons que le pral sérieux. Parce que, ou grosse situation, élection faite de toute façon. Ça, c'est sûr. Élection faite. Mais le problème, ce n'est pas que l'élection faite. Il n'y a pas de monde qui dit l'élection pas faite, non. Il dit quand est-ce qu'il est faite et comment le pral faite. C'est-à-dire qui qualité la brigue. Or, ou pas qu'il dit quand est-ce qu'il pral faite. Ou un organisme qui décide pour ça. D'après la Constitution, c'est fonctionner, c'est ce EPA. Ça fait là, il était invité, nous-mêmes. Il dit, nous, oui, nous, on a choisi entre deux formules, quand il y a deux calendriers, il dit, mais nous ne pouvons pas rien de ça. Nous ne pouvons rien pour nous de ça, pour qui ça? Pour la bonne raison, que nous avons responsabilité au retard, là. Qui monde qui est responsable au retard, pays à gagner? Qui monde qui est responsable, tout boum, retard, ça, mettez-nous. L'autre parti politique, qui depuis longtemps, besoin d'élections faites dans le pays, là. Pour qu'on normalise les bagages, qui protestait contre le fait que pas de parlement. Lorsque vous dites, vini, alors ça veut fait, vous faites participer dans la responsabilité nouveau calendrier, ou bien ça veut fait, vous dites, d'accord avec les partis politiques, il y a le soumettre président au calendrier. Non, pas ça du tout. C'est que vous même ou responsable de l'élection, vous pouvez dire peuple là, comprenez bien, vous pouvez dire peuple là carrément, franchement, en toute sincérité, pas capable. Fait élection en telle date. On pas capable de faire le 20 novembre, on pas capable de faire le 20 décembre. Parce que bon responsabilité pour moun gagner. Tlem dit ça moi même personnellement, on pas pral di yo ah monsieur qui bagay ça c'est pas sérieux. Non, m'a dit montrez-moi logique qu'il faut pas capable là parce que me connais déjà ou mettez tête ou dans situation qu'il faut pas capable. Maintenant kounye est-ce que vraiment pas capable qui jamais la pas capable faire expliquez-lui justifiez-lui et puis l'enfin dit ça ou dit bon. Étant donné la situation, ça, l'élection a fait telle date, pas avant. Mais ça, tout le monde connaît. Non! Il y a une occasion pour dilatoire la continuer. Parce que l'on participe à nos réunions, ou dit d'accord, ou choisit telle solution et pas telle autre. Il y a une solution ou non. Mais l'on choisit solution, ça, ce n'est pas eux-mêmes qui décident. Donc, on y a pas le chercher qui a une décision pour le faire. Et non, élaboration de décision, de consulter le président. Là, tu le consultes, vous avez le calendrier, le président dit, moi-même, pas d'accord à date là. Là, dit que, ouais, il y a passé. Donc, c'est, il faut passer dans fil d'aiguille, dans le jeu. Le a marché dans les mêmes tours, délibérément, la stratégie, la tactique, ce que vous avez écoutez, par contre, c'est son intention, parce que je ne vais pas accuser personne de mauvaise intention. Même constater le fait, c'est que je ne peux jamais, jusqu'à présent, pour avoir la preuve que CEPA prend responsabilité dans l'attribution que le gagne. Parce que, premièrement, deux systèmes, vous faites partie de choisir, mais partie pas vous choisir entre deux systèmes. Loi claire, bon loi qui choisit, bon loi qui fait, il fait mal. Parce que le public qui fait mal déjà, choix CEPA qui fait mal, loi fait mal. Mais loi, dis pas loi d'ailleurs, bon, c'est bien simple. Mais l'offre que tout le monde qui fait mal, il y a peut-être un pour qui décision après soit pas assumer responsabilité ou yo pas assumer responsabilité yo. Et yo rive dans une situation que c'est président Kounia qui a décidé des questions électorales. Or constitution a créé conseil électoral là précisément pour c'est pas gouvernement ni président qui décide des questions électorales. Pour retirer question ça non pouvoir exécutif là pour un organisme autonome et indépendant pour préparer toute bagaille. Or dans quelle situation Kounia c'est président qui vous décide. Chaque fois qu'on étape c'est le président. Et qui vous fait que c'est le président pour décider? C'est que c'est le PA. Attention, c'est lui-même qui m'a dit. On l'a demandé le ballot là, on juin. Pour dire pour ça, que ça dit, je ne sais pas si vous avez fait, même pas d'accord, je ne réfléchis pas, je forme une commission. On l'a d'une fois, la fois la passion de la bêtise. C'est évident. Forme une commission pour étudier si au calendrier vous proposez. C'est comme ça, commission dans tout le gouvernement. C'est un terrain au bagage. Et c'est enterré. Donc, déjà, a fait commission, ouais, c'est le PA qui vient gêner. Pourquoi ça, c'est le PA qui gêner? Ah, faut que vous réfléchissez. Pas d'ouvrir pour moi, pas dans un. On réfléchit. Pourquoi ça, c'est le PA qui gêner? Pourquoi ça, le dit non, point commission? C'est parce que le grand n'y compte qu'une affaire commission, responsabilité de travail, engagé.
C'est lui-même qui mettait nous dans ça. Alors lui, il dit pas gain commission. Oh, c'est le pouvoir qui te dit gain commission. Donc, le pays attendait. De côté, le pouvoir dit gros commission qui a étudié. Et c'est le pays a dit pas gain commission. Côté, vous êtes en bas de commission. Ça. Mais ce n'est pas personne qui est votée. Ce n'est pas pays qui est votée. Ce n'est pas peuple qui est votée. Ce n'est pas parti qui est votée. Nous avons la sortie du pouvoir, à savoir que le président formé une commission. On ne peut pas une commission. Donc, regarde, j'ai trompé. Moi, je n'importe qui, c'est où. Il y a une commission, pas une commission. Il a dit, ah, le pouvoir te dit une commission. L'autre a dit, attention, commission, CEP a dit, pas une commission. Maintenant, qui sont-ils? Il y a pas ça, une bêtise. Il y a traîné dans la farine. Et nous te dit ça dès le discours du président de janvier. Il dit, monsieur, attention. C'est des gens qui roulent les gens dans la farine. Ils n'ont pas accepté partenaire. Ils n'ont pas ça dans la bêtise. Ils ont rusé à coup. Il faut les tromper. Expérience faite. Ou observer l'ouel. Ou elle. Ou 1995. Ou 1997. Ou expérience européenne. Ou aller. Ou balle au joint. Pas au raccord. Pour continuer à rouler dans la farine. Parce que comment est-ce qu'il va passer là? Messieurs, espace concertation. Encore une fois, il faut nous rebailler en toute objectivité. Ce n'est pas dans l'esprit critique. Ce sont des amis politiques, ce sont des démocrates. OK. Donc c'est clair, il faut nous reconnaître ça. Cependant, comprenez bien. L'heure où on entre dans la logique, ça, qu'il faut participer dans ce qu'on fait là. Parce que c'est là le problème. Mais monsieur, pas voulu où elle est, parce qu'il n'y a pas arrivé jusque-là. Il n'y a pas envisagé tout ça. Mais il faut nous envisager dans la réalité politique là. Lorsque mon gouvernement économe, ou formons un gouvernement de coalition. Donc, ou dans un gouvernement, ou un représentant de gouvernement, c'est où que choisir. Donc, mal pile, oui. Même pas dit c'est ça, non, malheureusement, monsieur, je ne pas réfléchir sur ça, mais c'est ça. Tata est dans la logique. Il est responsable de tout ce gouvernement fait. Ah oui. Sous le gouvernement de coalition, il y a la solidarité ministérielle, la solidarité gouvernementale. C'est l'élément, c'est l'ABC de la politique. Donc, vous comprenez, je ne pas dire que le responsable de conforme, monsieur, c'est pas ça, affaire. Vous-même, c'est évident, soyez sérieux. Si vous êtes au pouvoir vraiment, si vous êtes au pouvoir vraiment, c'est pas ça, vous avez. Mais néanmoins, étant donné que vous êtes gouvernement, vous êtes solidaire de décision gouvernement. Et dans la situation, ça, vous êtes dans la situation, nous-mêmes, nous allons là-dedans. Mais vous êtes là-dedans, puisque vous êtes au pouvoir là. Et oui, et vous n'avez pas même une réalité pouvoir là. Alors, tout ça affecte la question électorale, parce que vous-même, vous voulez faire élection. Mais en blanc, un monde qui a fait dilatoire avec eux, et voilà que dans la situation, je trouve ville qu'il y a responsable du dilatoire, co-responsable du dilatoire, avec le pouvoir. Comprends que des situations très drôles qui présentaient. C'est pas ça, ils voulaient, mais ils roulaient dans la farine tout. Mais pour l'autre exemple qui montre que ils roulaient dans la farine tout, que tout le monde, que tout le pays a, c'est que ils ont demandé président, ils ont entrevu, ils ont demandé trois fois, ils ont mois passé, plus d'un mois passé, dit Bajan Bayol. C'est humiliant. Donc, moi, je dirais que la éclaircie. Ou bien deux côtés du pouvoir. Qui fait carrément des choses qui n'est pas correct. Et de l'autre, le reste du pays qui est victime de choses qui n'est pas correct pays pouvoir faire. C'est la raison pour laquelle moi-même, je dirais que y a une entente qui fait face à ce pouvoir qui fait des choses qui n'est pas bon. Et que donc, je ne parle aucune participation de ce pouvoir faire. Au contraire, il faut prendre position dans une stratégie qui contre ce pouvoir au nom de l'intérêt public. Et c'est base ça, base solidarité pour un regroupement qui est incontestablement nécessaire et indispensable sur la scène politique. Justement, professeur Maniga, depuis quelques temps, on a certaines dynamiques qui amorcé la mi-temps et parti politique. Et semaine ça, espace concertation annoncé tête officiellement comme coalition politique. Et semaine dernière là, il y a un regroupement d'organisation de la société civile, d'organisation politique, de personnalité politique qui présentait tête comme un front civico-politique haïtien. Et cette dernière semaine, on parle en pile d'une éventuelle alliance OPL, RDNP. Ou même comment ouais mouvement ça a fait dans les classes politiques là, et puis qu'en est-il de l'alliance OPL, RDNP? Bon, nous-mêmes, nos positions sont claires. Tout le monde connaît, tout le monde qui est sérieux dans le pays. Il y a aucun monde sérieux quand même dans le pays. Ce n'est pas tout le monde qui a pensé. Tout le monde qui est sérieux dans le pays connaît que nous pour l'unité. Et moi, je répète encore que c'est la vérité. Nous avons un mouvement unitaire qui fait que je suis décidé de prendre parler là-dedans. N'essayez, nous de bonne foi. Vous voulez former un groupe d'assises, vous invitez-nous. Nous participer pendant des mois à des réunions
hebdomadaire du groupe des 6 pour chercher une formule d'unité. Je viens de former un groupe des 26. Nous là-dedans, jam, nous partie prenante dans le groupe des 26. Quel que soit la critique que nous avons fait, nous-mêmes nous voulons continuer dans le dynamique groupe des 26 là, qui est un vaste rassemblement. Et nous regrettons que le Pakembe. Je viens de le Pakembe, je viens de un espace de concertation. RDNP était là-dedans. C'est à l'occasion à Corsima cela que, évidemment, nous même ne pas suivre la stratégie. Ça, nous continuons la stratégie d'avant nous, unitaire d'opposition. Ben, c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait l'échouer, comme pour en ce qui concerne notre participation et la participation de l'OPR. Vous pensez à Corsima cela l'échouer? Ah non, on dit l'échouer en ce qui concerne notre participation et la participation de l'OPR. Bon, ça c'est ça qui fait. Bon, l'échouer dans le domaine politique, tout parce que la femme est sur Kounia, une situation vraisemblable pour vraiment frapper. Une situation tellement délicate, pas bon exemple. Parce que c'est fait connu. Si c'était fait confidentiel, je ne vais pas révéler. C'est pas moi qui vous c'est eux qui dire. Mais c'est fait public lié. Gon dimanche, il y a de ça quelques temps, à peine deux semaines, à Inch, on convoit apparaître de Jeep, Mitsubishi, etc. Il y a même monde qui dit que non seulement il y a une photo l'homme du duc de tabac sous voiture, mais même qu'il y a des voitures qui ont une plaque. Palais national. Ils ont intervenu dans le bureau propre, ils ont saccagé le bureau propre. Eh bien, voilà au fait, je vous montre comment monsieur dans une situation difficile, voilà au fait qui devrait dénoncer publiquement. Car vous comprenez bien, n'a pas parlé d'élection. Ou pas qu'il y a une force qui est intervenue, une force privée qui est intervenue, vient saccager la caille, vient intervenir la caille, mais des autres dans le bureau politique, dans le bureau local. Ça fait. Ou j'entendais. Ou protestation de partis victimes, non? Vous entendez? Est-ce que tu même connais que ça t'est fait? Ben, silence pour qui ça? Son silence gêné. Comprenez bien? Parce que normalement, si vous faites la dénoncer, puisque le grave au niveau électoral, quand nous parler au niveau électoral, si un bureau politique, un bureau local, pas même été, ça n'est pas venu faire vandalisme sous lit, vandalisme contre lit. Aucune dénonciation. C'est pas que vous d'accord, non, c'est évident, pas d'accord que vous victime. Mais, il faut ménager, à quoi vous avez fait, donc vous pas même dénoncer un fait qui est grave, un fait qui est inacceptable, vous pas même dénoncé par la victime. Voilà juste qui bon, bah elle a mené. C'est très grave. Parce que comprenez bien, ou non situation. Ou non situation côté. Tout le monde a posé aux questions. Évidemment, on te pose pas de m'affaire rassemblement, regroupement. Regroupement nécessaire. Tes positions pas nous. Nous toujours participer dans toute tentative. Mais alors, attention. Lorsque fait regroupement, ou capable de faire directement cette tentative groupe des 26 là. Essayer de consolider, il n'y pas réussi. Maintenant, il fait par une autre étape. Ça fait nous-mêmes nous d'accord que son l'autre chemin qu'on prend à condition que ne pas arrêter en chemin. Parce que si on fait 5, 6, 7 groupes, bon, c'est déjà un progrès par rapport à 30. Mais il n'est pas suffisant. Et il faut là pas suffisant. Parce qu'il faut aboutir à une vaste plateforme unitaire. Ça nous même nous demander des congrès d'il y a 2 ans, à la fin du congrès de moi, nous demander un vaste front unitaire pour la préservation, la défense et la promotion de la démocratie contre toute menace contre la démocratie. Telle force qui salta cap gain comme composante n'a gardé paysage politique tout monde qui voulait parce que dans salta nouyé tout monde qui voulait démocratie dans pays parce que démocratie a pourquoi établi dans pays depuis Jean-Claude Dallan 86 nous entrons dans un processus qui dit de démocratisation mais démocratie a pas existé dans pays donc gain monde qui voulait vraiment que nous font authentique expérience démocratique gain l'autre qui besoin pouvoir pour plus simplement. Et par tous les moyens. Donc il faut, d'après nous, RDNP, il faut que nous réussissions à rassembler tout le monde qui voulait faire une authentique expérience démocratique pour permettre le développement du pays dans des conditions nouvelles. Un pays nouveau pour un siècle nouveau, c'est ça, devise RDNP. Donc, comprenez bien, l'orgue et position ça, ou pas gain exclusive par rapport à monde qui voulait authentique expérience démocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous dit si regroupement qu'a fait yo constituer une étape et puis après à bon on passe des passerelles entre les groupes pour arriver en plateforme unitaire, bravo. Mais si c'est seulement pour constituer des blocs qui peuvent durcir position non rivalité antagonique
regarder ça, c'est grave, parce que on a baillé espoir vers l'unité, et en fait, on a baillé le spectacle d'une division au niveau supérieur, et sans écrénant, c'est-à-dire que l'on faible, ou l'adversaire faible, l'on mettons ensemble, ou fort par rapport à l'adversaire commun, ça n'a pas, pas réussi, il n'est pas arrivé. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous entraînons un rapprochement avec OPL, comprenez bien. Nous parlons de rapprochement en termes très favorables parce que des deux, dans les deux parties, il y a des gens qui sont d'accord pour ça, et nous-mêmes dirigeants ADNP, nous pensons que c'est un bon bagage. Mais nous ne pouvons pas former un nouveau groupe, non, nous-mêmes. Nous ne pouvons pas former un nouveau bloc pour faire cinquième ou sixième bloc. Non. Nous avons créé avec le rapprochement qui est en fait là, qui est en cours, là, que nous avons discuté, nous ne pouvons pas conclure. Mais déjà, en principe, on a un large accord qui fait entre nous. Nous connaissons ce qui base. Ne capable de faire rapprochement. Mais il base. En discussion. Quand c'est mon sérieux, mais est-ce que j'ai moyen d'NP de dire rien? Ah, écoutez, nous allons vers un rapprochement. Mais l'aile fait n'a dit, mais ce qui base du fait. Mais c'est sûr que, un, il n'est pas dirigé contre personne de ceux qui d'accord contre toute menace à la dictature. Au contraire. Et deuxièmement, esprit libre n'a publié, n'a montré. Que, au contraire, nous offrons une structure d'accueil pour le véritable mouvement unitaire. Que le fait avant l'élection parlementaire, que le fait après l'élection parlementaire pour la présidentielle. C'est ça que fait la sécurité de Paris qui me prouve très bien, me dit que le contraire du latin honnête, il dit à quoi on a fait, nous pouvons faire une limite, mais le bon esprit. Il est capable de réaliser avant les élections parlementaires. Nous avons fait un accord électoral pour les élections parlementaires municipales. Mais après aussi, au-delà du cap continué, et c'est ça qui est intéressant, le cap continué au-delà pour aboutir, puisque dans la première phase, jusqu'à présent, pourquoi aboutir à lui, pour aboutir avant les présidentielles à la plateforme unitaire du Front solidaire démocratique. C'est ça l'objectif RDNP, c'est sa stratégie RDNP. Donc comprenez bien, je dis deux choses qui sont pour nous capitales. Premièrement, pour nous, le fait que le groupement est au fait. C'est une bonne chose à une condition. C'est que d'indiquer une direction côté de Bralé et n'a abouti à une plateforme militaire. Si ce n'est pas ça, il n'est pas bon. Parce que nous parlons durci des intérêts de groupe, l'une contre l'autre, ce qui serait néfaste pour la cause de la démocratie. Et deuxième bagaille, m'a dit là, c'est que l'entente qui pral fait entre RDNP et OPL là, sont ententes qui pral entrer dans la dynamique de la marche vers l'unité au-delà des groupes qui existaient. Nous ne pouvons pas former l'autre groupe. Puis on dit, même groupe RDNP européen, même groupe MBCN. Non, ce n'est pas cet esprit. Nous pouvons créer, comme on dit déjà, et c'est très ambitieux. Mais il faut une ambition pour le pays. Si on ne peut pas faire politique dans l'État pays, il faut une ambition pour le pays. Nous allons former avec l'union axe qui permette que la dynamique unitaire la réaliser de manière solide. C'est ça. Esprit, c'est un bon regroupement qui a intégré toute l'autre coalition qui existe actuellement. La offrir au climat d'abord, qui est important en politique, mais une structure d'accueil aussi pour les différents groupes et groupements qui sont vraiment pour la préservation, la promotion et la défense de la démocratie contre toute menace, de quelque origine qu'elle soit, de quelque direction qu'elle vienne, et de quelque nature idéologique qu'elle soit par rapport à la dictature. C'est-à-dire, ce qu'on menace de droite, nous contre lui. Ce qu'on menace de gauche, nous contre lui. Ce qu'on menace populiste contre la démocratie, nous contre lui. Quelle que soit la menace là. Il y a des gens qui pensent qu'un regroupement OPL et RDNP sont très difficiles compte tenu du fait que en dans OPL, il y a une pile sensibilité politique et idéologique et il y a là-dedans qui ne peut pas être trop bien un tel rapprochement. Bon, je pense que c'est un petit bagaille. Politique, c'est un bagaille qui fait avec intelligence et analyse. Il y a des conjonctures successives, c'est-à-dire que on a une situation aujourd'hui qui n'est pas situation demain. Comprenez bien. C'est qu'on constate un bagaille. En 57, il y a pile monde qui déduit à l'église de bonne foi. Dès 1961, où je venais dans l'opposition. Et vous avez été du Valéry sur 57. Mais c'est ça qui fait un exemple là même. Je crois que son un bonhomme qui connaît paysannerie, un ethnologue qui connaît réalité pays, un médecin pauvre qui a lutté pour l'honnêteté. N'est qu'il était pour opposition contre coup d'État estimé, etc. C'est-à-dire que c'est une série de bagailles en faveur. Mais dès que le commencé, des premiers bagailles qui commençaient à faire, a fait Yvonne qui me rappelle, ça va passer là. Après, on vient, on gagne
véritablement la grève des étudiants, tout ça, mais côté de la prison. Ah oui, l'homme qui avait voté en 57, Duvalier, est en prison en 1961. Les situations changent. Gros paquet de monde, vous avez fait un exemple, c'est pour mettre les gens, c'est pour décomplexer les gens. Faire suspendre les complexes pour dire la vérité. Dire la vérité en toutes circonstances. Gros paquet de monde qui était aristidien, qui était lavalassien en 90, fermement convaincu, sincère. Je dis à côté de vous, ils ont de la critique et ils ont de l'opposition. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que ça, ils ont été croyants, c'est pas ça qui vient que vous trompez, que vous avez exactement le contraire de ça, ils ont été promettus. Dans tous les domaines. Y compris la fameuse question de l'honnêteté, c'était la transparence au grand mangeur. Donc, vous lâchez loi constitutionnelle, vous êtes en prison, vous ne pouvez pas faire qui est terrible, sans compter l'insécurité actuelle. Qui pis mal peut-être au pire moment de Duvalier. Ah, mon Seigneur, aujourd'hui, dans notre situation. Donc, comprenez bien. Dans la politique, c'est même pas là tout. Ou pas, ouais, moi, pour un exemple international, les révolutions communistes faites, ils font contre capitalistes. Révolution soviétique 1917. Il y a combattu contre l'autre, bien, il y a mangé l'autre. Lève une grande menace que les Hitler. Ça, ouais, citadelle communisme URSS et citadelle capitalisme États-Unis. Nous mettons ensemble face à la menace hitlérienne. Donc, l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est changement. Il faut analyser changement. Rapprochement au PL et RDNPA. Il n'est pas possible il y a 3 ans. Il n'est pas possible il y a 5 ans. Même habitué à dire, l'homme parler, on apprend à l'interpréter, à dire, ah, j'ai dit des bagailles. Mais non, il faut dire la vérité parce que c'est d'abord la vérité qu'on construit un bagaille de solide. En 95, qui bon qui nettoyait nous dans l'élection? C'est l'OPL. C'est évident. En 97, là nous faisons coalition pour boycotter l'élection. C'est l'OPL qui est dans le pouvoir à partir des élections. Donc, à cette époque-là, on était dans des positions adverses. Mais je dis à ça que ça passé. OPL victime de la valasse. OPL constatait que la valasse, c'est pas ça lui-même lui était voulu l'aile avec la valasse, il t'a mis la valasse au pouvoir. Et au PL sont partis, comprends bien, ça m'a dit un mouvement qui est très fort, oui. Après l'accord du 6 mars, quand la situation vient arriver dans le pays, au PL a une stratégie d'opposition plus claire que le monde qui était dans l'opposition avant. Comprenez bien. Je dis avec l'accord du 6 mars, ou quand vous posez cette question, monsieur qui s'y accorde, est-ce que vous n'êtes pas dans le régime, non? Est-ce que vous n'êtes pas dans le gouvernement de coalition? Il répond à c'est oui, malheureusement. Mais on admet tout dans la réalité, que c'est pas ça que vous voulez, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les politiques qui triomphent dans la coalition. On admet ça parce que vous êtes. Mais l'OPL lui-même, n'est pas le monde qui a posé la question qu'on y a sur la stratégie OPL, non? OPL carrément dans l'opposition. Ah, les conditions sont différentes. Et d'autre part, nous voyons nous tout de manière différente. Avant, on était dit, ah, DLP, réactionnaire, c'est la droite, c'est ceci, cela. Mais nous avons réalisé qu'avec message, nous, avec programme, nous, progressiste, nous, que nous toujours baillons, que des bagailles nous disent, Aristide Villebrand, de nous-mêmes, au niveau peuple, au niveau progressisme. Mais ils ont rendu compte que nous sommes partis progressistes, c'est-à-dire que nous sommes partis de centre-gauche. Donc, rapprochement, là, rapprochement entre la gauche et le centre-gauche. C'est-à-dire qu'il est homogène, il est solidaire, il est cohérent, il est cohérent. Pour la démocrate chrétien encore? Toujours. Ah, mais la démocrate, ah, encore, toujours. Ah, toujours. Mais attention, dans le gouvernement, il y a deux tendances. Il y a ceux qui s'appellent les démocrates chrétiens et qui sont les conservateurs. Carrément. Mais il y a aussi les socio-chrétiens. Et même des socialisants chrétiens qui à l'intérieur de nous dans des chrétiens. C'est comme pour être dans socialiste tout. Il y a droite, il y a gauche, il y a tout mouvement, c'est comme ça. Alors nous-mêmes, nous avons toujours dit, d'ailleurs, ce n'est pas le monde qui dit pour nous, ce n'est pas aujourd'hui, on a dit, soit notre texte, nous avons déjà que nous relais au RDNP, un parti de centre-gauche, c'est-à-dire de gauche modérée. Nous au centre, mais légèrement à gauche. Nous pas au centre et à droite. On ne parle pas droit du tout nous-mêmes, nous ne jamais dans ça. Nous pour le véritable changement en faveur des masses populaires. Et c'est la position de base de RDNP. Donc l'on percevoit mieux la position de RDNP, ou comprend mieux la position de RDNP, ou est-ce qu'on logique dans un rapprochement entre la gauche et le centre-gauche. Auditeur RFI Haïti et téléspectateurs, c'était professeur Leslie Maninga avec journaliste Télé Haïti Rodrigue Lalanne qui t'a fait un chute à causer autour de ça qu'a fait l'actualité en parlant de élections. Nous remercions pour attention, nous disons à la prochaine.